sight that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de l'eau. L'objectif aussi, c'est de promouvoir la pêche du silure. C'est pas d'essayer de gagner un trophée. On est surtout là pour le défendre.
Alors tu m'as dit on a pêché comme des vieux, ça veut dire quoi ça? On a pêché au vide. Et pourquoi t'as pêché au vide? Ah, il y avait beaucoup d'herbe, donc on meurt. Non, c'est pas ça. Non, bah il vieillit, il a mal au bras, du coup. Voilà. Il y en a un qui se défend et l'autre qui dit voilà pourquoi. Voilà, lui, il lui manque que les écailles, je lui aborde mon bateau, je sais ce que c'est, je sais qui il est. Il lui manque que les écailles, à ce garçon. Son père l'a bien éduqué, il lui a mis les nageoires, et maintenant il se forme une robe d'écailles, il devient un vrai pêcheur, il sent bon la pêche. Et là, il n'y a pas longtemps, sur Lyon, tous les deux, ils ont tout remporté, n'est-ce pas? Voilà, il est en plus, ouais. C'est un pêcheur, ça sent la pêche, ça sent bon, ça sent la fraîcheur, ça mérite un applaudissement, père et fils, s'il vous plaît, merci. Avec Yannick Deslandes, à La Rochelle, un ami, bien sûr. Faut des propos, vous allez pêcher le thon? Super. Voilà, bah tu continues de pêcher le silure, après le thon de l'autre douce, tu vas aller te revenir, hein. Tu vas pas t'en aller comme ça. Ouais, c'est pas fini. Bravo! Numéro 2! Alors, numéro 2, avec. Je vais m'approcher du tableau pour pas dire de bêtises. Ce sont les seconds avec 80 cm, 2m20, 1m30, 1m08. Le second, on les applaudit aussi très très fort. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ici. Ils ont un gros bateau, un très gros bateau et un très gros moteur. Ils sont arrivés, ils se sont fait peur, il n'y a pas d'eau. On les a vu tanker à droite et à gauche. Ils se sont démerdés, ils ont réussi à s'en sortir. Moi j'applaudis parce que c'est pas parce qu'on a la cavalerie, un gros bateau, qui peut toujours tout faire, mais ils se sont bien débrouillés, ils se sont bien démerdés. Ils se sont tankés 2-3 fois, ils ont appris à découvrir la Loire. Et c'est pas... Ah tiens, avec Yannick Deslandes encore, un séjour de pêche au thon avec Yannick Deslandes à La Rochelle. Yannick Deslandes qui effectue tout au long de l'année des guidages en mer. Un guide de pêche diplômé, reconnu. Il pêche aussi bien le thon que le bar, que le lieu, que le maigre. Donc vous pouvez l'appeler tout au long de l'année. Yannick Deslandes, gros bisous à toi Yannick, j'en sais que t'es direct aussi, tu m'entends, gros bisous. Bravo, félicitations. Toi et tout. Excellent. Alors, number one. D'accord. Parce que t'as mérité d'être resté jusqu'à la fin. T'as mis une semaine que là. Alors, tu te sors après. Pour moi. Approchez-vous. Je vais même les citer. Allez, approchez-vous. Ils savent qui ils sont. Steve et Franck. On les applaudit. Alors, je vous garantis. Allez, voilà. Champion! Vous êtes vert, et le gros, vous approchez les télés, approchez du podium quand même, si vous avez pu l'expliquer. Approchez-vous du podium, s'il vous plaît. Regardez, un séjour au Kenya. Séjour avec Watamu, je ne sais pas, pension complète. Chambre en lodge avec copains. 4 journées de guidage en mer avec guide de renommée internationale. Possibilité de safari, ah bah ça c'est pas son truc, hein. Je vous le dis tout de suite, il a peur des bestioles, ça va encore être gagné. Boisson sans alcool sur le bateau offert, ça tombe bien, on voit pas une goutte. Ah, un bon pour un voyage pour deux au Kenya. Alors bon, là, c'est au top, environ 7000 euros de dotation sur ce bon. Bravo à eux, félicitations, ils ont gagné. Et vous savez ce que ça mérite, ça? C'est ça, c'est ça, mérite. Bravo. T'es contente ou pas? Très fière. Pour la troisième année, très fière. L'année prochaine, ouais. Allez, on les applaudit encore une fois, bien fort. 1, 2, 3. Oh! Merci! Merci! Big applaudissement à cette magnifique manifestation qui mérite d'être enregistrée sur le plan national. Merci à eux. Merci aux hommes en orange aussi. C'est grâce à eux, tout ça, là. Bravo, Franck. Bravo, Steve. Encore une fois, vous avez démontré que vous étiez les plus forts avec ces gros poissons. Bah voilà, je voulais vous remercier tous pour l'état d'esprit, pour le trophée. Aujourd'hui, ça a été une grande réussite. On a fait 22 ou 23 poissons. Enfin, voilà, des belles choses, des beaux sponsors. Je remercie Xavier, je remercie Madcat qui a été là présent tout le week-end. SGA avec Anthony Jobard. Je vais remercier aussi la pêche et les poissons qui ont fait un super truc pour nous. Et puis, pour finir, il n'y a qu'un truc qui vaut. Quoi. En fait, c'est les bénévoles. Ils ont fait un super truc. Ils ont été là tout le week-end avec le sourire. En fait, sans les bénévoles, il n'y a rien. Et aujourd'hui, ils ont tous filé un coup de main. Ils ont tous été là.
Christelle, je voulais vous remercier aussi, Seb et Kikri, d'être venus. Vous avez fait des choses bien pour défendre le glan et aujourd'hui c'est ce qu'on cherche, tu vois, défendre le silure. Donc merci à vous. Avec plaisir. Voilà. C'est un bonheur pour nous. Tout le monde est content. Ouais. Donc je pense que l'année prochaine, bon, ça, là, on aura la même chose. Voilà, moi je viens surtout remercier mes copains qui sont tous avec les t-shirts orange parce que c'est incroyable. Mine de rien, ils y passent du temps les mecs, toi. Et c'est agréable. Voilà. C'était énorme. Merci. Au top.